Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de la mission maternelle de la Seine-Saint-Denis. Nous allons vous présenter un programme visant à préparer votre enfant à la lecture. Ce programme s'adresse à des enfants de 4 ans et plus. La lecture, c'est l'acte de lire. Mais qu'est-ce que c'est que lire? Eh bien, lire, c'est tout d'abord savoir déchiffrer, c'est-à-dire associer des lettres B et A qui font bas. Mais lire, c'est également comprendre. Cela sera l'objectif de la vidéo que nous allons vous présenter bientôt. Cette compréhension, c'est la compréhension de ce que l'on lit ou de ce que l'on nous lit. Elle passe par la connaissance des mots, on parle alors de lexique, et aussi par la capacité à se mettre dans la peau des personnages. Nous avons choisi de prendre comme support le conte musical Pierre et le loup, composé par Sergueï Prokofiev. Vous verrez un enregistrement de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec comme récitant M. Lambert Wilson. Alors pour commencer, nous allons vous présenter les personnages de cette histoire. Tout d'abord, vous verrez un petit garçon qui s'appelle Pierre. C'est le héros, le personnage principal de l'histoire. Vous verrez son grand-père, l'oiseau, le chat, le loup, les chasseurs et le canard. Où se passe ce conte musical? Eh bien, ce conte musical se déroule à la campagne, où l'on trouve une vaste étendue d'herbe qu'on appelle un pré. Au milieu du pré se trouve un étang, c'est-à-dire une vaste étendue d'eau, moins vaste quand même et moins profonde qu'un lac. Pour accéder au pré, Pierre va ouvrir la grille du jardin de son grand-père. Dans cette histoire, Pierre va utiliser un objet qui va lui servir vraiment de façon déterminante et cruciale, une corde. Cette corde va lui servir à fabriquer un lasso. Le lasso sert à attraper des animaux. L'histoire va réellement commencer à partir d'un feu tricolore vert que vous verrez apparaître sur la vidéo, qui vous indiquera le début de l'histoire. La fin de l'histoire sera, elle, marquée par un drapeau à damier, comme sur un circuit de Formule 1. Attention, avant le feu vert, ne ratez surtout pas la présentation par M. Lambert Wilson. Entre le début et la fin de l'histoire, vous verrez des panneaux stop. Cela voudra dire que votre enfant devra raconter l'histoire qu'il vient d'entendre, seul ou avec vous dans un premier temps. Comment va-t-il le faire? Il va d'abord raconter entre le début et le premier stop, entre le début et le deuxième stop, entre le début et le troisième stop, et enfin, entre le début et la fin. Si c'est trop compliqué pour votre enfant, celui-ci pourra raconter uniquement l'histoire entre le début et le premier stop, ce qui est matérialisé par le rectangle bleu sur cette frise, ou entre deux stops, les deux premiers stops, ou entre le deuxième stop et le troisième stop, ou enfin, entre le dernier stop et le panneau damier signifiant la fin de l'histoire. Voilà, bon visionnage! Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien? Voilà, merci. Alors, bienvenue dans ce magnifique endroit qui s'appelle l'Auditorium de Radio France. C'est là où vous êtes maintenant. Et vous êtes là pour écouter une histoire qui n'est pas une histoire comme les autres. Pourquoi ce n'est pas une histoire comme les autres? C'est parce que c'est une histoire qu'on va vous raconter en musique, avec
un orchestre. Et cet orchestre, je vous le présente, il s'agit de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et cet orchestre est dirigé par une jeune femme qui vient de Lituanie et qui s'appelle Gidre Šlekytė. Alors, comment est-ce qu'on va vous raconter cette histoire en musique? Certains d'entre vous la connaissent déjà peut-être et vous l'avez entendue. Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, vous la connaissez. D'accord. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument de musique différent qui, à chaque fois, jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Et ainsi, vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, et puis aussi Pierre et le loup. Alors, on va essayer. Par exemple, pour l'oiseau qui est le grand ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. On peut l'applaudir. Pour le malheureux canard, c'est le hautbois mélancolique. Vous avez entendu comme il est triste, le canard, il est mélancolique, oh, il n'est pas très joyeux. Hein. Et le chat aux pattes de velours, ça sera la douce clarinette. Vous avez entendu, hein, on sent bien qu'il a des coussinets hein, sous ses papates hein, quand même, hein, quand il marche dans l'herbe. Alors, il y a aussi un autre personnage, c'est le grand-père qui bougonne dans sa barbe, et ce sera le basson grondeur. Vous avez reconnu vos grands-pères, hein ? Ils sont tous comme ça. Et à la fin de l'histoire, les chasseurs vont tirer des coups de fusil. Alors, dans la version de Pierre et le loup, les chasseurs vont être interprétés par ce qu'on appelle les bois, c'est-à-dire la flûte, le hautbois, la clarinette et le basson. Mais les chasseurs sont aussi représentés par les timbales et la grosse caisse. Alors qu'est-ce qu'on oublie ? On a oublié...
On allait oublier Pierre, Pierre, notre héros joyeux et souriant. Alors, Pierre, il est représenté, il est d'abord représenté, Pierre, avant le loup, par tous les instruments à cordes de l'orchestre. Donc on est d'accord, à chaque fois que vous entendez cette petite musique, c'est le personnage de Pierre qui fait quelque chose dans l'histoire. Et enfin, vous l'attendez tous, le grand loup gris qui sort du bois. Ce sont les trois corps sévères et sombres. Alors, vous vous rappelez bien de tous les personnages de l'histoire, c'est-à-dire Pierre, Pierre, le loup, le chat, l'oiseau, le canard, les chasseurs et le grand-père. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer à raconter l'histoire. Qui s'appelle Pierre et le loup. Un beau matin, le petit Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de Pierre. « Tout est calme » gazouilla-t-il gaiement. Peu de temps après,
Un canard apparut en se dandinant allègrement. Tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la grille, il en profita pour aller faire un plongeon dans l'étang profond au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau sauta sur l'herbe près de lui. « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne peux voler ?» dit-il en haussant les épaules. Ce à quoi le canard répondit « Quelle sorte d'oiseau es-tu si tu ne peux nager ?» et il plongea dans l'étang. Ils continuèrent de la sorte à se disputer, le canard nageant dans l'étang et le petit oiseau sautillant le long de la berge. Soudain, quelque chose attira l'attention de Pierre. Il aperçut un chat qui s'approchait en rampant dans l'herbe. Le chat pensa « L'oiseau est tout absorbé dans sa querelle, quel bon déjeuner je vais faire !» Et comme un voleur, il se glissa vers lui sur ses pattes de velours. Fais attention ! Cria Pierre, et l'oiseau s'envola immédiatement sur l'arbre. Du milieu de l'étang, le canard, indigné, fit « coin, coin » au chat. Le chat rampait autour de l'arbre en pensant « Cela vaut-il la peine de grimper si haut ? Quand j'y parviendrai, l'oiseau sera envolé. » Grand-papa sort. Il est mécontent parce que Pierre est allé dans la prairie. « C'est un endroit dangereux !» Si le loup sortait de la forêt, que ferais-tu, hein ? Thank you.
Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père. Des garçons tels que lui n'ont pas peur des loups. Mais le grand-père prit Pierre par la main, l'entraîna à la maison et ferma à clé les grilles du jardin. Était-il rentré qu'un grand loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa sur l'arbre. Le canard se précipita hors de l'étang en caquetant. En dépit de ses efforts, le canard, dans sa fuite, ne put lui échapper. Le loup s'approchait de plus en plus près encore. Le voilà, qui le rattrape ? Il s'en saisit et n'en fit qu'une bouchée. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était sur une branche.
l'oiseau sur une autre. À bonne distance du chat. Tandis que le loup, tout en se promenant autour de l'arbre, fixait sur eux un regard gourmand. Pendant ce temps, Pierre, sans la moindre crainte, observait, derrière la grille, la marche des événements. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le haut mur de Pierre. L'une des branches de l'arbre autour duquel se promenait le loup passait par-dessus le mur. Pierre s'empara de la branche puis grimpa allègrement sur l'arbre. Pierre dit à l'oiseau « Vole très bas et tourne autour de la tête du loup, mais prends bien garde qu'il ne t'attrape !» De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui afin de le happer. Que l'oiseau agaçait le loup, que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était trop adroit et le loup en fut pour sa peine. Pendant ce temps, Pierre avait fabriqué un lasso et contrôlait attentivement sa chute. Ainsi, il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Se sentant pris, le loup commença à bondir sauvagement, essayant de se libérer.
Mais Pierre attacha l'autre extrémité de la corde à l'arbre. Plus la corde se resserrait autour de sa queue. C'est alors que... les chasseurs sortirent de la forêt. Suivirent les traces du loup et tirèrent des coups de fusil. Mais Pierre, assis dans l'arbre, dit « Ne tirez pas ! Le petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Maintenant, aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique !» Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre marchait en tête. Derrière lui, les chasseurs précédant le loup.
Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père hochait la tête avec mécontentement, disant « Oui, si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ? Hein ?» Au-dessus d'eux, le gazouillis joyeux du petit oiseau. Que nous sommes malins, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé. Et si vous écoutez très attentivement, vous pourrez entendre le canard crier dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.